hyper énervé quand j'ai appris ça, mais bon, je suis content puisqu'on l'a sauvé, il va venir à la maison. Mais ça fait plusieurs mois que Maxime me parle d'un petit chat, et donc je vous montre. Il est ici. Je voulais vous montrer aussi la chambre puisque il nous restait quelques petits détails à faire, bien évidemment. Là, ça. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous, chez vous, vous allez bien. Parce que moi, chez moi, je vais super bien. Ça va être un vlog, je pense, un tout petit peu, mais je dis bien un tout petit peu bordel, un tout petit peu. Parce que comme vous le savez, on travaille tous les deux, on a énormément de travail. Et là, on vient de commencer à travailler sur les projets. Et on travaille également sur les projets de la rentrée. On va mettre en place des choses différentes concernant les bougies, on va changer de nom de chaîne YouTube, on va changer de plein de choses. Je vous ai fait un sondage sur Instagram de savoir si vous vouliez que je commercialise des choses que je fais moi-même maison. Donc vous avez été, pour la grande majorité, j'ai envie de vous dire, plus de 900 à me dire oui. Donc clairement, je pense que je vais y réfléchir. J'ai réfléchi à un truc trop bien pour septembre, vous verrez, je vous en dis pas plus. Donc voilà, donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans un vlog, bordel. Et en plus, vous allez voir, on a acheté le cheval, ça y est, on a le cheval. Donc j'ai hâte de vous le montrer dans ce vlog, c'est parti, let's go. Les amis, je vous reprends dans ce vlog pour vous parler de la nouvelle couverture protectrice waterproof de Confi. C'est de la marque Puppy Love et je voulais vous la montrer parce que je l'ai reçue il y a déjà de ça, si je ne vous dis pas de bêtises, plus d'un mois. Comme vous pouvez le voir, elle a une doublure, donc elle est très 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 épaisse. Je l'ai déjà mis, sans vous mentir, au moins 10 fois déjà dans la machine à laver. Ça n'a absolument pas bougé. Comme vous pouvez le voir, les deux sont totalement fans du tapis. La journée, moi je leur mets dehors, donc sur la terrasse ou dans l'herbe. Et le soir, quand on regarde la télé, on le met devant la télé forcément. Et quand on se couche, puisque les deux toutous dorment avec nous, mais dans la chambre, arrête côté. Et du coup, on leur met au pied du lit. Si vous regardez, ils peuvent clairement être largement à deux dessus. Hein. Vous avez différentes coloris. Rappelez-vous, la marque m'avait déjà envoyé les petits paniers hyper cocooning. Bon, bah, forcément, ils sont totalement fans, hein, les deux. Ils dorment dedans, également les chats dorment dedans aussi. Et comme vous pouvez voir, ce monsieur Scotty vit sa meilleure vie. À l'intérieur, il perd ses poils, mais je vous raconte même pas l'horreur. Bon, après, c'est un golden, donc forcément. Mais du coup, ce qui est bien avec ces couvertures, c'est que c'est un peu un attrape-poils. Donc ça vous évite que les poils volent de partout dans la maison. Après, vous avez juste à le refermer et directement à tout secouer dehors. Moi, je fais ça généralement avec Brian et du coup, bah, fini. Vous pouvez le mettre en machine. Moi, je le mets à 40 degrés et franchement, ça ne bouge absolument pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Scotty aime les tapis, aime les endroits cocooning et aime quand c'est quand c'est comme ça, cocooning quoi. Et bah, de toute façon, clairement, hein, la vidéo parle d'elle-même. Hein. Là, je ne mens pas, regardez-le, il vit sa meilleure life. Donc là, je pense que Scotty se sent à l'aise et reposé. Un Scotty. Bah oui, la taille, regardez, j'ai quand même un golden. Regardez la taille, il peut quand même faire... Il a de quoi faire, je pourrais même avoir deux golden. La taille du tapis est quand même très très grande. Ce qui va être bien, c'est cet hiver, en plus, ça va protéger du froid, même si on est du parquet, parce que c'est vraiment, je vous dis, très épais. Vous voyez, je sais pas si on va bien s'en rendre compte. Tu dis merci à Puppy Love. Ah oui, merci beaucoup. Hein. Ah merci. Merci, je suis très content. Ah oui, je suis très heureux là, je suis le sien le plus heureux. Quand il joue à l'intérieur, il joue uniquement sur la couverture et non ailleurs. Comme ça, j'ai pas 30 000 poils partout, j'ai pas... mes meubles sont protégés, j'ai aucun problème dans la maison parce que j'ai un petit salon. Et du coup, au moins, ça leur limite leur espace de jeu. Ça prend vraiment pas de place, donc c'est hyper cool. Parce que les grands coussins qui prennent de la place et des fois on la prend même la couverture pour la mettre dans la voiture quand on va aux chevaux pour pas mettre de poils partout dans la voiture. Très important, Puppy Love reverse 5% à la SPA pour chaque commande, donc je trouve ça quand même hyper important de vous le signaler dans la vidéo. Si vous avez envie de faire plaisir à vos bébés, je vous mets le code promo juste ici pour les 100 premiers utilisateurs avec mon code promo, donc qui est Scott Love, je vous le mettrai juste ici. Vous avez 20% sur votre commande. Donc franchement, faites-vous plaisir. Un code. Ah, c'est vrai. Ah oui, moi, je suis très content. Je suis heureux, je suis heureux. Donc voilà, les amis. Écoutez, je vous laisse. Hein, parce que là, clairement, on va les laisser jouer. Et du coup, vous avez plusieurs couleurs. Donc vous avez trois couleurs. La taille fait 1,52 m par 1,26 m. Donc pour vous dire, c'est quand même assez grand. Et vous avez gris clair, marron. Donc ça, moi, j'ai pris celle-ci.
et vous avez gris foncé. Voilà, voilà les amis. Bon, salut à tous, je vous reprends dans ce vlog. On est lundi 21 juin. Il est bientôt 20h30. Je suis en train de préparer à manger. Je viens de rentrer à la maison. En ce moment, on a des semaines un peu chargées avec Maxime. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup de choses à faire dans la maison. Donc, je viens de rentrer des chevaux. Ça s'est pas passé comme prévu. En fait, je suis allé voir mes juments. J'ai fait des soins et en fait, je me suis fait attaquer par le poney qui est en demi-pension également dans le champ. Voilà, il m'a littéralement... J'ai envoyé un message à sa propriétaire parce que je la connais pour lui dire, etc. Je vais mettre de la glace, de la crème, on verra ce que ça donne par la suite. Restez avec nous parce que fin de semaine, nous avons le nouveau loulou qui arrive à la maison et je vais vous faire une vidéo, je vais vous emmener avec moi dans ce vlog et je vous ferai une vidéo explicative sur son histoire. Bon les amis, je vous reprends dans ce vlog. Je suis en train de finaliser, alors quand je dis finaliser, c'est un grand mot, hein. Je reprends les travaux, donc c'est parti, je veux terminer les toilettes ce soir. Donc pour ça, j'avais déjà fait la première couche de peinture noire. Par la suite, va y avoir du papier peint séparé d'une moulure et de petites baguettes noires également. Donc sans plus attendre, je me dépêche, je peins. Bon, je vous reprends une bonne heure plus tard. Du coup, ça y est, j'ai posé le papier peint. Ça rend trop trop bien. Il me reste la petite séparation à mettre de chaque côté. Et l'encadrement de la fenêtre, je vais mettre 4 petites baguettes couleur noire pour donner de la profondeur aux toilettes. J'ai retiré la cuvette afin de tout nettoyer. Moi, j'aime avoir des toilettes blanches, nickel. Et je vais racheter une belle cuvette blanche. Donc voilà, le papier peint, on l'a acheté chez Leroy Merlin et franchement, il rend trop trop bien. Alors c'est pas évident, il me reste quelques trucs à finir. Par exemple, ici, je sais pas encore ce que je vais faire. Donc il va falloir que je refasse la porte en blanc. Mais je me tâte de remettre du papier peint derrière. Je suis en pleine, je réfléchis parce qu'ici, je pense même continuer avec du noir. En tout cas, le papier peint, il rend trop 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 bien. Salut à tous, donc je vous retrouve dans ce vlog, je suis actuellement dans la future pièce du dressing. Je voulais vous montrer un peu, je suis en train de préparer, regrouper les affaires pour l'arrivée d'Elton. Parce que vous le savez, il arrive demain, on va le chercher demain après le travail. Un Raven, un nouveau copain, un nouveau grand frère. Donc je vais le chercher avec une amie parce que malheureusement Maxime ne peut pas être présent parce qu'il finit le travail assez tard. Mais vu que le prêt est pas très loin de son travail, il va nous rejoindre quand il aura fini. L'école basique, attention Raven, l'école de chez Decathlon. En fait, c'était un l'école à ma jument que j'avais déjà. Il est un peu doré ici, enfin je sais pas si vous allez voir. Mais il était trop grand pour ma jument et ça tombe bien. Vu que Elton mesure plus d'1m70, ça lui ira parfaitement. Et ça, c'est pour les postérieurs, donc beaucoup beaucoup plus grand. Donc pareil de chez Decathlon, j'en suis plutôt très satisfait. Ensuite, je voulais acheter, parce qu'il a les crins très fragiles, je voulais lui prendre un protège-queue, mais je n'ai pas trouvé et Decathlon était en rupture de stock. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai opté, j'ai des bandes de polo, pot de colle, t'es vraiment pot de colle toi. Des bandes de polo comme ceci que j'ai normalement pour les membres. Pour lui mettre au niveau de la queue parce qu'il a les crins hyper fragiles. Donc il faut savoir que Elton c'est un grand cheval qui mesure plus d'1m70. Vraiment très très grand. Il a une ossature vraiment massive sur sa croissance, sur son organisme, enfin plein de choses comme ça. Il était très maigre, très très maigre. Il l'est encore maintenant, il lui manque du poids. Bon, j'ai espoir qu'il reprenne très vite parce que là où les chevaux sont, c'est un pré où l'herbe est très très riche, mais vraiment très riche. Donc ça, je me fais aucun souci. Puis s'il y a besoin de le complémenter, il sera complémenté. J'en profitais en même temps parce que j'ai acheté un bridon comme ceci, la collection Roméo sur Decathlon. Et j'aime beaucoup cette collection, une ancienne collection, parce qu'au niveau de la muserolle, c'est hyper large. Et au niveau de la tétière, c'est pareil, c'est hyper large. Donc du coup, j'avais prévu, je l'ai reçu il y a 2 jours. Et j'avais prévu de le nettoyer avec du,
easy clean, le nettoyer et ça hydrate en même temps le cuir. Donc comme ça je vais en profiter pour faire ça en même temps que je vous raconte son histoire. Donc du coup il a grandi jusqu'à ses 4-5 ans comme un cheval normal. Vous savez très bien, on vous l'a dit, on le sauve de l'abattoir parce que elle déménage et elle se sépare ses chevaux. Donc astuce, boucherie. Donc moi ça je suis hyper énervé quand j'ai appris ça, mais bon, je suis content puisqu'on l'a sauvé, il va venir à la maison. Puis par la suite, dans 4-5 ans, on a un gros projet, ce serait d'acheter un ancien corps de ferme pour faire à la fois gîte, chambre d'hôte, mais également ferme pédagogique, parce que moi, enfin tout ce qui est animaux, etc., avec Maxime, on est passionné par ça, et on trouvait sympa le concept de lier gîte et ferme pédagogique. Là je vais voir pour lui acheter une chemise anti-mouche parce que là où sont les chevaux, on est envahi de moustiques. Donc ma jument a fait une réaction, la première fois elle a été piquée. Je lui avais mis sa chemise anti-mouche et depuis plus rien. Et oui, parce que Scott était derrière aussi. Bah oui, quand il y a Raven, il y a Scott. Au revoir. Bon, on est arrivé, tant de merde. Littéralement. Donc on va charger le loulou, là on va aller le chercher. J'ai prévu le licol et on embarque. Regardez-moi le nouveau. Elton! Elton! Bon. Nettoyage, rangement. Ça fait un peu mieux quand même. Bon, après, c'est pas à nous et c'est pas nous qui l'avons construit. Clairement, on n'aurait jamais fait une merde comme ça. Mais bon. Ça fait mieux. Ça fait plus propre. On a mis la paille là-bas. Bon les amis, je voulais vous montrer, je me suis pris une paire de baskets. Alors de base, je ne suis absolument pas très fila, on est beaucoup plus Nike, mais du coup j'ai eu un coup de cœur sur celle-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve trop belles, vraiment trop belles. Et du coup j'ai acheté quelques trucs pour le boulot, y compris pour la maison. J'ai pris un jeté de canapé, donc ça c'est pour la maison. Je l'ai trouvé chez La Foire Fouille, franchement pas cher du tout, moins de 15€, et en plus c'est un 1,70 par 2,50, donc la taille est très bonne. Et ensuite j'ai trouvé une petite guirlande pour mettre dans le salon, et le reste c'est pour le boulot, parce que je vais faire un thème jungle nature dans mon atelier, et du coup bah, j'achète à chaque fois plein de choses pour qu'on puisse faire en atelier avec les résidents. Et du coup j'ai acheté là-bas plein de petites choses comme ça pour faire des compositions florales, ça va être trop beau. J'essaierai de vous les montrer de ce qu'on va faire. Et j'ai acheté des toiles blanches aussi. Je vous montrerai aussi, j'essaierai de filmer non pas les résidents mais ce qu'on va faire pour vous montrer un petit peu l'univers. Et du coup j'ai acheté la carte du monde en liège que je trouve très beau. Et ça pareil, on va en acheter une aussi pour nous chez nous, mais quand on va commencer à reprendre les voyages, parce qu'on aimerait bien voyager. Et du coup qu'est-ce que je voulais vous dire,
Oui, donc du coup, quand on va voyager, il y en aura un dans le dressing, je pense. Et comme ça, on mettra tous les pays qu'on va faire parce qu'on souhaite voyager depuis le temps avec ce putain de Covid et autres. Regardez-le. Une souplesse. L'état de ma baignoire. Parce que monsieur vient de rincer. C'est quoi que t'as rincé? Les masses anti-mouches et un sac à foin. Génial. Ah bah super. Il a tout. Ouais bah génial. Voilà. Bref, l'envers du décor, bah. Et du coup j'ai tout ça à laver. Il m'a tout dégueulassé. C'est la machine à laver qui m'a lavé. Hein. Oh. Droppy. Côté. J'en peux plus des deux là. Donc je voulais vous montrer mon gazon. Je vous avais parlé que j'avais eu quelques petites merdes avec l'urine de Scott. Donc là je l'ai pas tondu hein. Mais ça y est, j'ai réussi à le ravoir. Il me reste ces trois petites taches plus celle-ci à ravoir. Mais c'est le gazon est en train de repousser puisque j'ai tout ressemé. Regardez, j'ai tout ressemé et le gazon il est redevenu, mais genre j'ai mis de l'engrais, j'ai mis du gazon, j'ai mis du terreau, j'ai replanté. Franchement, on va dire je m'en sors plutôt bien. Les chaises qu'on avait achetées d'occasion avec la table qu'on veut retaper, donc la table on va la retaper, on va la poncer. Donc la poncer pour avoir quelque chose de très 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 clair comme ceci. Et les pieds, on va les peindre en noir. Et du coup, hier, on a trouvé ces chaises. Alors, moi, j'ai eu un coup de cœur dessus. Elles sont en promotion en ce moment chez Carrefour au prix de 8,50€ la chaise au lieu de 17 ou 18. Enfin bref, il y a moins 50%. Donc clairement, on en a acheté 6. Et en plus, ça ira très bien avec mon salon de jardin en osier là-bas. Donc c'est parfait. J'attends juste qu'il refasse beau. Et ensuite, je ponce et je fais la fin des travaux. Et je vais acheter également un grand tapis que je vais mettre sur la terrasse pour mettre en dessous là, et ça va être trop trop beau. Donc j'ai mis à l'abri pour l'instant mes plantes et autres, parce qu'en fait il pleut tellement en ce moment chez nous que du coup c'est trop trempé et mon buis commence un petit peu à cramer à cet endroit là donc ça me fait un peu chier. Donc voilà les amis. Je voulais vous montrer, j'ai reçu des cadeaux de Daniel Wellington. Comme vous le savez, à chaque fois je suis en partenariat avec eux depuis, oh là, je ne le dis même plus tellement que ça fait longtemps. Donc je reçois très régulièrement des montres et des bijoux. Et là ils m'ont demandé de sélectionner de nouvelles belles choses. Donc j'ai choisi ce collier que je trouve, mais alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Si le focus veut bien se faire, il y a le reflet du soleil. Magnifique ce collier, mais je suis en amour sur ce collier. Et j'ai repris une nouvelle montre également. Elle est trop belle, franchement elle est très très belle. En tout cas je vous mettrai le lien en barre d'infos et mon code promo si ça vous intéresse, parce qu'à chaque fois vous êtes nombreux à me demander si j'ai un code promo Daniel Wellington. Oui, et c'est toujours le même, donc je vous le mets juste ici et je vous le mets en barre d'infos également. Bon, je reviens de chez Action et j'ai acheté pas mal de choses. Alors sincèrement, je vais pas vous montrer parce que c'est pour le travail, hormis les petits diffuseurs Airwick, mais on s'en fout. Je vais pas vous montrer des choses où on s'en fout en fait. J'ai acheté des bocaux pour le travail, une carafe pour le travail. J'ai acheté pas mal de choses pour faire des travaux manuels au travail. Voilà, c'était juste pour vous montrer rapidement. Et pareil, je vous repartage ma litière que j'achète tout le temps. Je prends tout le temps la même pour mes minettes. C'est la carbonite tranquille, elle est top, elle me dure vraiment très longtemps. Elle ne dégage pas d'odeur, bien évidemment il faut la faire régulièrement. Moi je la fais tous les jours et je la change vraiment à chaque fois, toutes les 3-4 semaines. Mais il n'y a pas d'odeur, j'ai quand même deux chats. Et franchement, Raven, est-ce que tu la valides? On voulait vous montrer parce que vous savez, on avait racheté le canapé de chez Ikea. Et en fin de compte, Brume nous a, comment dire, défoncer le canapé. Voilà, elle a eu sa crise du printemps. Et en fait le canapé on n'en peut plus parce que quand on reçoit on n'a pas assez de place. Sauf qu'on n'a pas un grand salon. Donc en fait ce qu'on a décidé, ok Raven, pas de problème. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est on va changer de canapé. Là on vient d'en acheter un autre. Bah du coup on vous le montrera peut-être dans le prochain vlog si on a reçu le nouveau canapé. Il y a entre 2 et 3 semaines de livraison. Donc on vous le montrera, on a pris un petit canapé d'angle. On a pris le plus petit qui existait. Alors en espérant qu'on ne s'est pas trompé dans la taille, parce que normalement il va faire ça. Il va y avoir l'angle ici. Donc il va aller à peu près jusqu'à l'échelle.
Donc la lampe, bien évidemment, on la retirera, on la mettra ailleurs. Et la bonne nouvelle, les amis, ça y est, nous avons reçu nos fenêtres. Donc on va pouvoir changer la fenêtre qu'on avait commandée il y a au moins 3 mois. Quand il boit, forcément. Alors là, forcément, il en fout partout. C'est un goré, il y a des poils partout. C'est bon ? Je pense que t'as bien bu là, oui. J'ai acheté sur Amazon, vous savez, les fameuses pierres naturelles que vous mettez dans la gamelle de vos chiens. Donc moi je les mise comme ça, ça les empêche absolument pas de boire, bien au contraire, vous avez bien vu. Donc et je coupe avec de l'eau en bouteille et de l'eau du robinet. C'est un choix, voilà. J'ai lu plein de choses sur internet, chacun fait comme il a envie de faire pour ses chiens. Donc du coup je vous mettrai le lien des pierres que j'ai achetées, je crois que j'en ai eu pour 15 ou 16 euros les deux pierres. Que vous mettez dans l'eau et en fait ça apparemment neutralise tout ce qui est urine est assez fort pour niquer votre gazon. Voilà, pour vous dire, je suis dans le détail. Donc je vous dirai, pour l'instant j'ai pas de nouveau marquage. Donc je dis bien pour l'instant. Je l'ai acheté il y a plus de 5-6 jours. Donc je vous ferai un retour là-dessus. Bon, je voulais vous montrer, j'ai acheté ça dans ma jardinerie d'Erly, que je trouve vraiment très très beau. C'est une fleur de massage Mathilde M. Et il en restait qu'une, sinon j'en aurais pris une à Brian, mais il en restait une, donc on se la partagera, j'arrive plus à parler. Et là j'ai pris fleur de douche, elle est vraiment très belle. Je sais pas en quel, je crois que c'est en tissu, mais je la trouve trop belle, je l'ai payé 8,30€. J'adore, trop jolie. Là vous avez Mr. Brian qui est en train de lire le mode d'emploi, puisque aujourd'hui, donc on est dimanche et on a reçu la livraison de notre aspirateur robot. Donc c'est un partenariat, je n'ai absolument pas payé l'aspirateur, je tiens à le préciser, comme à chaque partenariat je le dis. Donc la marque m'a gentiment offert un aspirateur robot. Vous avez la caméra ici, enfin bref, on est en train de dire le mode d'emploi pour pouvoir tout installer ce soir, on va faire le test. Et je vous montre rapidement, j'ai été acheter 2 pieds de lavande que je trouve trop beau et je vais les mettre dans des pots. Il faut que j'aille acheter des pots, j'aimerais des pots un peu en osier. J'en ai vu chez Action, je vais vous montrer parce que Brian a été acheter ça à Action. Attendez, hop, il a été acheter ça à Action et du coup j'aimerais la même chose pour planter mes lavandes, mais en plus petit. Il y en a, je crois, hein, en pot pour planter en tout petit. Je voulais vous montrer aussi la chambre puisque il nous restait quelques petits détails à faire, bien évidemment. Là ça y est, bah, c'est terminé. J'ai racheté quelques petites décos, donc ça je l'ai acheté chez BM, je crois, anciennement Babou. J'ai pas trop retenu, comme la housse que je vous ai montré également tout à l'heure. Voilà, tout est good, tout est beau, tout est au carré comme j'aime, tout est propre. Tout est désinfecté, tout est nickel. Faudrait que je vous montre des séquences de la chambre avant, quand on a eu la maison. Franchement, on voit la différence. Bon, eh bien, salut à tous, je vous reprends dans ce vlog. Je suis actuellement dans la voiture. En fait, je suis parti chercher une surprise pour Maxime. Ce week-end, ça va être notre anniversaire de rencontre, on va dire. Et je lui ai fait une petite surprise, je ne sais pas si vous entendez. Mais ça fait plusieurs mois que Maxime me parle d'un petit chat. Et donc, je vous montre. Il est ici, ce petit minou. Tout minou. Et donc là, du coup, bah, je suis dans la voiture et je prends la route pour lui ramener. Trop mignon. Et là, on y va. Il sait pas du tout, il va être trop content. Mais t'es malade, pourquoi t'as ramené un chat? Bon, on vient de rentrer, on a fait un drive chez Leclerc. Donc ce qui est bien, c'est la vie, le drive. Franchement, c'est la vie de 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 la vie. Mais par contre, on a quand même compris un McDo sur la route. Histoire de... Voilà, on va pas abuser, c'est juste pour le régime. Au moment où je vous parle, on réfléchit, on hésite encore. J'ai été lui acheter ça, un petit griffoir. Et je crois que ça va être son meilleur ami.
On a acheté pas mal de choses. Je voulais vous montrer aussi, on est en train de ranger. J'ai trouvé deux bougies. Ça sent trop bon. Je sais pas, je connaissais pas du tout cette marque. J'en ai pris deux, Petit Matin Brumeux et Promesse d'Orient. Et ça sent trop bon, celle-là va être pour la chambre. Et celle-là va être pour le salon et ça sent super bon. J'ai également été chez Action. Et alors comme d'hab chez Action, j'ai pris des pots. J'ai pris des diffuseurs, j'ai pris un truc comme ça pour niquer les moustiques. J'ai pris des petits joujoux, alors non pas chez Action, mais chez la jardinerie Leclerc. Voilà. J'ai acheté des fringues. Il y a la litière, une nouvelle litière juste ici. Franchement, 12 euros. En plus, c'est du plastique recyclé, donc c'est top. Des pampas que je vous montrerai dans ce vlog sur Amazon. Je voulais des pampas pour mettre dans des petites jarres comme ceci. Et j'ai renversé de la cire à bougie sur mon chemin de table. Donc il va falloir que je m'en occupe ce week-end. Voilà. Bon, eh bien, je vous reprends dans ce vlog. Donc c'est moi parce que Max vient de partir au travail. On voulait vous parler du nouvel aspirateur que Maxime a reçu en partenariat il y a maintenant une semaine, je crois, une semaine et demie. Donc on l'utilise tous les jours au quotidien. C'est un très bon aspirateur robot, nettement. Facile d'utilisation puisque on vous explique directement sur le carton comment l'installer, etc. Et ensuite on vous demande de télécharger l'application que je vais vous montrer juste ici sur mon téléphone. Donc hop. Donc l'application qui se présente juste comme ça, en fait c'est hyper simple. Donc ici vous avez les messages, etc. Donc quand vous cliquez sur message, on vous dit que le nettoyage est terminé, que le robot a un souci, etc., etc. Ensuite, vous pouvez voir l'historique. Voilà, quand je clique, voilà. Vous avez la zone, donc là c'est chez nous en fait. Donc le salon, le couloir, etc. Donc il n'a pas prédéfini les autres zones. Et en fait, vous avez automatique pour envoyer zone personnalisée. Enfin, c'est très simple. Et pour le lancer, vous avez juste à faire nettoyage automatique. Et un message va apparaître. Voilà, a reçu une instruction et là le robot se lance. Donc il est juste ici. Donc nous on a installé la base de rechargement ici et ensuite il fait sa vie. Et honnêtement, franchement, on en est très satisfait, puisque quand moi je suis au travail, je peux le lancer comme ça, on a un nettoyage de fait quand on rentre. Et honnêtement, franchement, c'est un très bon aspirateur de bonne qualité. Et Scotty, tu t'habitues un petit peu à l'aspirateur parce qu'avant t'avais peur. Maintenant tu t'habitues. Hein. Et là-bas on a le petit monstre qui s'amuse bien. Hop. T'es content de cet aspirateur? T'es content? Hé hey, la coquine, tu dis bonjour? Bon, comment on va t'appeler toi? Coty? Coty, on voit pas ta sœur. Coty, l'incrusteur. Allez, Minette. Ouh, là, tu vas tomber. Regardez, on est explosé. Il est 15h, je rentre du boulot. Et je les ai retrouvés en train de dormir dans le canapé. Vraiment pas très motivés. Hein. Raven. Parce qu'on hésite entre eux, Duchesse, Perle, Millie. Et après on sait plus. Bref. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire des noms de chats en commentaire, ça peut peut-être nous aider. On veut pas tout ce qui est Oreo. C'est une petite Minette de 2 mois. Et elle est trop mignonne. Et voilà. Donc c'était mon petit cadeau. Donc c'est trop mignon. Et cet après-midi, on va faire un tour à Derly où il y a d'autres chiens et chats. Mais là on reprendra rien. Promis, on prend rien. Normalement on prend rien. Non, c'est la dernière. Voilà, c'était la dernière. C'était la dernière de la famille, la petite Satounette. Donc voilà, écoutez, on vous fait des bisous. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. On espère que ce vlog bordel vous aura plu. Et là je vais bosser aussi sur le projet pour la rentrée. Donc vous verrez, je vous dis rien. Mais il y a plein de choses qui vont arriver très cool pour la fin d'année. Je vous fais des bisous sur votre joujou et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, vous, chez vous.